là tout le monde ici, Nagami, et c'est les vacances. Bon, enfin, depuis 5 jours, mais bon, vacances quand même. Et donc pour fêter ça, nous sommes aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et oui, encore du Call of Duty pour s'arracher les cheveux, me direz-vous. Mais non, cette fois, c'est pour une avant-première. Bon, malgré que le fait que la définition de avant-première soit entre guillemets une avant-sortie officielle, ainsi que le commentary que vous entendez est une version d'essai, il n'en est rien. Parce que c'est une première tout court d'un commentary que j'appellerai After Gaming parce que je ne connais pas de terme pour désigner ça. Enfin bref, c'est pour dire que la vidéo elle est pas commentée en live quoi, pour faire simple. J'espère que ce sera une expérience sympa pour vous, faites-moi parvenir votre impression sur cette façon de commenter parce que je le rappelle, c'est mon tout premier essai. Enfin, je vais tout de même tâcher de garder cet esprit un petit peu cool de mes vidéos. Alors, je commencerai par faire une petite doublette et je commencerai par décrire un petit peu mes impressions avant le traditionnel racontage de vie. Alors là, il me semble que j'ai eu très chaud, juste au fond. Ouais, voilà, j'ai eu très chaud. Et donc, allez, je vais commencer par contextualiser un petit peu la chose. Nous sommes en match à mort par équipe et je joue avec la M4A1. Un réel coup de cœur parce qu'elle est polyvalente dans n'importe quelle condition. Courte portée, moyenne portée, longue portée, recul correct. Enfin bon, j'en passe parce que je fais pas la promo de la M4 non plus. Hein. Achetez la M4A1. Et nous sommes donc sur la map Overwatch. Nouvelle carte et tristement seul. Oh, par contre, là, je sais pas comment j'ai fait pour mourir. J'avais pas silence de mort pro. Donc nous sommes sur la nouvelle carte et tristement la seule carte. Attention donc si vous voulez acheter ce nouvel add-on sorti en DLC Downloading Content le 21 février 2012 à l'occasion de la Saint-Valentin. Enfin j'en déduis un petit peu que c'est la Saint-Valentin parce que d'après le trailer que je souligne en anglais, hein, disponible un peu partout sur le net, non je ne me suis pas embêté à aller chercher le sous-titre ou autre. Il me semble que Eternal Valentine's Day est dit dedans, enfin le mec là qui fait la promotion de la carte, genre acheter la nouvelle carte Overwatch. Et donc cette carte est comme toutes les nouvelles cartes de Modern Warfare 3 disponible en avant-première et cette fois le terme est très bien employé pour les abonnés de Call of Duty Elite sur Xbox, je souligne, membre dont je fais partie. Et tristement, pour les gens qui sont sur PS3, vous devez attendre à moi, Et bref, vous avez donc sous les yeux ma non pas la première partie, mais la deuxième. En fait, l'origine du commentary After Gaming. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est moche comme mot. Et le résultat. J'ai un petit peu peur de descendre là. Et le résultat du fail de l'enregistrement en live de la première. Du premier essai. Et comme j'avais la grosse flemme de recommencer un autre live. Flemme que je ne vous cache pas, hein. Cela me permet de découvrir la carte afin de la commenter de manière un petit peu plus réfléchie et poussée, si on peut dire ça comme ça. Donc en reconstituant les petits bouts de mémoire qu'il me reste de ma partie d'hier, je peux vous dire que la carte me fait énormément penser à un mix entre Ardat, qui est une map de MW3, et Irise, carte de MW2 par contre. C'est un mix des deux cartes parce que... elle se définit par un style un petit peu chantier avec plein d'échafaudages et de machines de bâtiment. Enfin, ce que j'entends par sous-entends par machines de bâtiment, c'est les grues que l'on peut retrouver sur MW2, là où je suis monté tout à l'heure pour tuer le bonhomme qui était à la fenêtre là que je tire et qui était juste à droite et juste avant que je tombe. Et les grues jaunes qu'on peut retrouver sur Modern Warfare 2, enfin, vous savez, le petit spot en hauteur très prisé par les fans de Trickshot 360, Headshot, Noscope, Across the Map, Carpackage Stall, Wallbang, Titanic. Et donc, bah voilà quoi pour l'apparence globale. Sinon, au niveau de la structure, bah, elle est sur deux niveaux, ce qui permet des emplacements stratégiques et des petits sauts entre des étages pour faire NINJA. Et si c'est marrant de réussir à faire ça, c'est d'autant plus énervant lorsqu'il y a un drone et qu'il y a un point rouge tout près de vous, et qu'on veut faire NINJA, et ben ça marche pas parce qu'il y a parce que l'ennemi est soit en-dessus, soit en-dessous, et pour passer d'un étage à un autre, faut prendre des escaliers. Qu'on peut trouver un petit peu partout, escaliers qui sont en général grâce au spawn ou les lieux de réapparition pour les français lovers d'entre vous, French lovers, escaliers qui sont en général grâce au spawn qui sont c'est un gros lieu de mort assuré parce qu'il y a souvent un grand trafic par là et donc faut faire vachement gaffe quand on passe d'un étage à l'autre. Et dernier point pour les gros kill feeders de la mort qui tue, les soutiens aériens passent très bien, mais tous les bonus où on dirige des killstreaks, c'est-à-dire Predator, Reaper et j'en passe, ne sont pas un must-have pour faire une triple, une quadruple kill ou un truc de ouf.
Décidément, je me rends compte que je fais pas mal de blabla en anglais. Donc voilà, pour résumer, tout ce blabla, cette map est sympa dans l'ensemble, de taille moyenne, avec des airs d'Ardat et d'Airise sur deux niveaux. Et puis, bah voilà mes premières impressions. Pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de parties. Donc, si vous voulez acheter la carte, allez-y, elle reste vachement correcte, assez bien détaillée, etc. Honnêtement, payer 15€ pour une seule carte, voilà. Faudrait que je la teste en mode survie, je verrai. Si jamais j'en posterai une, sinon ce sera avec quelqu'un. Donc maintenant, c'est le petit moment racontage de vie. Alors on est à 5200, donc on va essayer de faire assez vite. Alors là, le petit passage que vous voyez en bas, c'est le couloir de la mort, que j'appelle ça, parce que... c'est le passage où c'est un petit peu casse-gueule parce qu'on peut faire un full team quasiment parce qu'on se rend compte dès le début là. Bon voilà, j'en viens enfin à mon petit racontage de vie. J'ai eu 200 points, je m'en souviens pas et je sais pas pourquoi. Pour commencer d'abord, je m'excuse de pas avoir fait de vidéo durant toute la semaine parce que oui, malgré le fait qu'il soit les vacances, je dois quand même me préparer à faire... des devoirs, etc. Parce que ouais, première S oblige. Et je vous promets que les vidéos qui vont arriver vont être sympas. Et lui, je sais pas pourquoi il a pas pris sa grenade. Enfin bon. Et voilà, un gros pardon à vous. Je ne vous oublie pas. Et merci d'être maintenant 85 à me suivre. Ça reste quand même un score assez honorable. Genre comme si j'étais un Call of IRL. Et voilà, un grand merci à vous. Faites partager cette vidéo. Vraiment, c'est parce que j'ai envie de me faire connaître et je sais que je peux vous proposer du contenu de qualité, surtout avec ce qui va venir. Et voilà, on se quitte sur cette killcam avec le mitrailleur d'Osprey. Enfin, je sais pas trop ce que c'était. 21 kills pour 3 assistances et 7 morts. J'espère que la description de la carte a été assez correcte et que ce commentary after live vous aura plu, parce que moi, c'est la première fois que je fais ça et moi, j'ai l'air de m'être pas trop mal débrouillé, donc bon. On en finit maintenant avec Overwatch pour retourner cette fois en mode infecté où je tire un tout petit coup de gueule. A tout de suite mes amis, et grâce à la magie du montage, je disparais virtuellement maintenant pour vous retrouver maintenant tout de suite en mode infecté. Alors là vous voyez qu'avec mon USP je pointe un petit bâtiment où notre cher ami XX Al espace Colo XX est un booster et... Vous le voyez très bien, il a réussi à avoir une mob. Bon, je dis pas que tous les boosters réussissent à... Il y a que les boosters qui réussissent à avoir une mob. Mais cette mob là, elle est pas du tout justifiée par un bon talent, quoi, un bon jeu. Le bonhomme, c'est le... Enfin, ce qu'il vient de faire, c'est la perfectitude, le summum de l'exemple parfait, tout simplement. Du cheating, du boosting, enfin, je... Tout... Voilà, quoi. C'est vraiment de l'anti-jeu dans son état le plus pur. Anti-jeu qui pousse à certains joueurs jusqu'à même à quitter la partie, ce qui fait donc pas mal de déconnexions d'autres que vous pouvez voir juste là, maintenant. Oui, donc pour les biens de la vidéo, j'ai quand même avancé. Hein. Regardez, je me fais tuer bêtement. Bon, déjà qu'en mode infecté, bon, pour ceux qui jouent, à partir du moment où on est infecté, le ratio il prend très 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 cher. Et bon, personnellement, je m'en fous un peu de mon ratio, mais voilà, ça fait toujours bon d'avoir un petit joli ratio. Et là, regardez-moi ça, une triplette. Il a réussi à nous mettre une triplette, mais... Voilà, en fait, Oned dit ce que je dis tout haut, ce que moi... Oxidide, dit tout haut ce que je pense tout bas. Et là, en fait, là, il y a un petit quiproquo entre Oxidide et Con Placebo, parce qu'il a dit que c'était un connard. Et Iconid l'a pris pour lui, et puis bon, voilà, il y a un tout petit quiproquo tout débile. Alors là, j'ai essayé de me mettre par terre, avec l'espérance qu'il s'approche un tout petit peu trop près pour que je puisse lui donner un coup de couteau, mais en fait, il n'en est rien. Et donc, en avançant un tout petit peu la vidéo, faites comme moi, envoyez-lui un message, déposez une plainte. Et voilà, c'était le petit coup de gueule boosting sur le mode infecté qui est vraiment une pratique, oui, je me répète, mais c'est brave, une pratique qui vous devriez vraiment arrêter. Mais ce message s'adresse uniquement à ceux qui l'ont déjà fait. D'accord, une fois c'est marrant, mais de le faire tout le temps, non, c'est pas drôle. Donc voilà, petit coup de gueule, merci, bonjour,
C'était Nagami. Abonnez-vous à ma chaîne si vraiment ce genre de personne vous voulez plus les voir, parce que moi aussi j'ai milité contre eux. Laissez un pouce bleu, pouce vert, pouce orange, mais tout sauf pas rouge. Pour apprécier cette vidéo et la faire partager au plus grand monde. Et laissez un commentaire si jamais ça vous a plu et si vous voulez que je refasse encore des commentaires pas commentés en live. Enfin bon voilà, on se quitte là-dessus, mangez des nems les gens. Ciao ciao ciao, bisous bisous bisous, je vous aime très fort. Méga upload quoi, c'est la fin de tout un monde. Oula, il est où, 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 il est où.